Donc, mon regard par rapport à la situation politique en Algérie, donc en tant qu'observateur, on ne peut pas parler de politique en Algérie sans évoquer deux situations, donc le Hirak et la pandémie. Donc, il y a une relation entre les deux. Et aussi, sans évoquer aussi ce qu'on appelle la constitution, le référendum sur la constitution qui s'est passé, ça fait on peut dire, c'était le mois de décembre. C'est ça, donc le mois de décembre. Donc, on peut parler de ça et aussi de la maladie, ou bien, entre parenthèses, l'absence du président de la République. Donc, il y a ces trois phénomènes. Par rapport au Hirak, le Hirak, on peut dire qu'il est en situation d'immobilisation depuis maintenant quelques mois. À cause du confinement, donc à cause de la pandémie, mais aussi à cause de quelques facteurs qui sont intrinsèques au Hirak lui-même. Parce que il y en a des choses à l'intérieur du Hirak qui l'ont empêché à y aller de l'avant et aboutir à sa finalité, qui est le renversement du pouvoir qui est en place. Donc on peut dire que l'objectif de Hirak n'est pas encore atteint. Il a atteint quelques objectifs qui sont secondaires, par exemple empêcher les élections du cinquième mandat et aussi pousser le pouvoir en place à, en quelque sorte, à faire une purge dans ses institutions et mettre beaucoup de gens qui étaient intouchables, les mettre en prison, les passer, et maintenant ils passent en justice. Donc il y avait quelques acquis dans ce sens-là, mais malheureusement, on peut dire que le Hirak n'a pas atteint encore son objectif. Et en ce qui concerne le président de la République, le président de la République, il est issu, ça on ne peut pas le cacher, il est issu d'une élection qui était tachée de la fraude. Il y avait pratiquement un boycott général de ces élections, mais malgré cela, le pouvoir en place, il a en quelque sorte légalisé les résultats de ce scrutin, donc avec un pourcentage je crois, le plus bas dans l'histoire des présidentielles algériennes. Même Bouteflika, lorsqu'il a été candidat tout seul, on lui a donné un score très élevé, pas comme celui de Tebboune. Je crois qu'il était à 23%. Donc, et en plus de ça, Tebboune, tout en sachant qu'il était illégitime, tout en sachant qu'il n'a pas la légitimité des urnes, il a essayé de chercher cette légitimité en proposant un projet. C'était la Constitution, un référendum sur la Constitution. Mais malheureusement, c'était un ratage aussi pour la Constitution. C'est qu'il y avait pas une adhésion des Algériens. Les Algériens ont boudé ce référendum. Donc, il n'a pas pu se donner une légitimité via ce référendum. Donc, Tebboune, pratiquement, il est dans la même situation que celle d'après les élections présidentielles. Rien n'est changé par rapport à la légitimité. Cela, je ne crois pas qu'il y a un spécialiste qui peut faire ça, surtout en ce qui concerne les mouvements sociaux ou les mouvements de protestation, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, on a vu ça pendant le Hirak lui-même. On a vu, par exemple, un des grands acteurs de cette crise, c'était le Gaït Salah. Le Gaït Salah, il n'est plus, il est mort aujourd'hui. On a vu maintenant le Tebboune avec sa maladie. Ce sont des incertitudes et aussi la pandémie en elle-même. Ce sont des facteurs qu'on ne peut pas prévoir
à l'avance. Donc, on ne peut pas dire que demain, il peut revenir à Hirak, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a un rejet de pouvoir en place. Il y a, une protestation qui n'arrive pas à s'exprimer. Le Hirak, est-ce qu'il va revenir, cette protestation, est-ce qu'elle va revenir sous la forme de Hirak, ou bien elle peut revenir sous d'autres formes. Rien n'empêche qu'elle peut revenir sous d'autres formes. Elle peut revenir, je ne sais pas moi, on peut la voir chez les travailleurs, on peut la voir maintenant chez les chômeurs, on peut la voir, je ne sais pas, dans d'autres catégories sociales qui revendiquent un peu plus de liberté, un peu plus d'égalité. Donc la protestation, elle peut revenir d'un moment à l'autre tant que le pouvoir en place est illégitime et surtout, il n'arrive pas à régler les problèmes que les Algériens subissent depuis des décennies. Elle a certainement un impact, d'ailleurs même à l'étranger, l'impact, il est très très important sur la culture, parce que pratiquement toutes les productions culturelles, elles se font en public. Donc s'il n'y a pas un public pour en quelque sorte les recevoir, il ne peut pas y avoir production culturelle. Il y en a par exemple ici maintenant, par exemple au Québec, il y en a beaucoup de la culture et des artistes qui sont pratiquement au chômage. Et ils ont besoin de l'aide du gouvernement, et le gouvernement les aide pour ça. Mais est-ce que cela se fait de la même façon en Algérie? Est-ce que, par exemple, les gens qui vivent de la culture, qui vivent de l'art, est-ce qu'ils sont aidés par le gouvernement en place ou pas? Ça, je ne sais pas, mais je crois que non, parce que généralement, le domaine de la culture, c'est le dernier souci du pouvoir en place. Il ne s'intéresse pas à la culture. Et aussi, il n'y a pas une pression sociale pour revendiquer cela. Parce que la société, elle revendique encore ce qui est nécessaire, ce qui est besoin primordiaux, donc les besoins nécessaires pour la vie. Donc la culture, elle est toujours considérée comme un superflu, un luxe, qu'on peut s'en passer facilement, malheureusement, dans cela. Oui, ça, c'est quelque chose qui se façonne à la maison. Et aussi à l'école. Par exemple, l'enfant, on ne lui apprend pas, par exemple, il y en a des parents, par exemple, qui sont pas, n'ont pas cette culture de lecture. Mais en principe, ce manquement, il doit être rattrapé par l'école. Parce que l'école doit pousser l'élève, l'enfant, à lire. Ici, par exemple, l'exemple d'ici au Québec, les enfants, lorsqu'ils terminent juste son primaire, certes, on va le trouver avec, je ne sais pas, des cinquantaines ou soixantaines de titres de livres qu'il a déjà lu. Vous comprenez? Donc, en une année, il a lu une quinzaine de titres. Donc, c'est ça. Donc, cela s'apprend à l'école, s'apprend à la maison et surtout à l'école. Et à l'école, ça veut dire que c'est l'État. Elle doit intervenir à ce niveau-là. Si la famille ne fait pas bien cette tâche-là, c'est à l'école de rattraper ce manquement. Et cela ne se fait pas bien chez nous. D'ailleurs, il y en a des gens qui sortent de l'université sans lire un livre complet. Et c'est pour ça que, par exemple, l'écrivain, lorsqu'il écrit, il ne trouve pas de lecteur. Ça veut dire que les gens n'achètent pas son livre. Et s'il n'achète pas son livre, il ne va pas être encouragé à produire un deuxième livre. C'est, le problème, il est là. Donc, c'est une question
d'éducation et de questions de culture. Mais cela n'empêche pas qu'il y a un certain mouvement que j'ai constaté à Bijaya, spécialement parce que je connais un petit peu Bijaya, c'est les cafés littéraires. Les cafés littéraires, ils ont pu stimuler la population, les populations locales à y aller lire un peu plus que d'habitude et ont encouragé des écrivains à écrire encore parce qu'ils ont trouvé des gens qui peuvent leur lire. D'ailleurs, dans la région de Bijaya, grâce au café littéraire, il y a beaucoup de lecteurs, mais aussi beaucoup d'écrivains, de nouveaux écrivains qui écrivent et savent qu'il y aura des lecteurs pour eux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il me semble déjà, à Bijaya, il y en a plus d'une vingtaine de cafés littéraires.